Sans la connaissance, without the knowledge, le désir n'est pas bon. The desire is not good. Sans la connaissance, without the knowledge, on peut pas arriver au but. We don't be able to arrive to the purpose. Et dans d'autres versions, les Grecs et Hébreux qui dit, the other version in Greek and Hebrew, c'est lui qui se précipite. The who hasty, who is hasty with his steps, le but. Will miss the purpose. Hallelujah. Donc celui qui se précipite avec ses pas, the one who is hasty with his steps, sans se contrôler, it with no control, il va manquer le but. Will miss or, si the way. Le but, that if you miss the way, vous ne pouvez pas réussir. You won't be able to succeed. Vous ne pouvez pas faire quelque chose de bien. You won't be able to do something good. Quand nous venons dans la maison de Dieu, when we come into the house, nous avons un but. We have a purpose. Quelqu'un me dit l'amen à la maison. Nous ne venons pas pour nous montrer. We don't come here to show off. Nous ne venons pas parce qu'on a été libre. Non. We don't come here because of whatever time. Mais il y a un but qui nous stimule de quitter nos maisons. Oh, yeah. Si il y a une autorité là où il y a des gens, if there's authority where
The room is quiet. On peut conduire comme nous conduisons pas. We can drive the way we used to drive. Si y a seulement un policier devant. If you see a cop in front of you. Une autorité de l'État. A authority of the state. Nous tous, on diminue. All of us must slow down. Tout le monde avance lentement. Everyone is going. Parce qu'on a peur. Slowly, because we're afraid. Et le maire est devant. Because the minister is in front of us. The gangster is in front of us. Celui qui arrête est devant. The one arresting is. Celui qui discipline les gens est devant. We are driving slowly. When you want to turn, we can take the road and drive for the brothers and sisters. See the way we are respecting established authorities. How much more in the house of God, we have to respect this God. Isaiah chapter verset 12. Merci Jésus. Nous allons petit à petit pour comprendre cet enseignement et nous allons progresser de cela dans le jour qui arrive. We're going slowly with this teaching. Frère Michael, quand tu donnes l'occasion de lire, Frère Michael, mets-toi debout et lis la Bible. Chapitre 1er. Verset 12, il est écrit et il est dit. Quand vous venez, vous présentez devant moi, qui vous demande de souiller mes pas. Alléluia. Amen. Oh yes, my sister. When you come to appear before me, who has asked this of you? Quand vous venez, vous présentez devant moi. When you come and appear before me, qui vous demande de souiller mes parvis? Who has asked this of you? Je lis notre version. We're trembling this on my God. Quand vous venez pour paraître à ma présence, when you come before my presence, qui vous demande de fouler les courbes de mon temple? Who has asked this trembling of my God? So quand nous venons, when we come, nous venons à la sainte présence de Dieu. We come into the holy in a Greek and Hebrew version says, pourquoi nous rentrons à Hébreu et Grec? Why are we going back to Hebrew and Greek? Parce que ce sont des textes originaux. Because those are what were the original texts. La Bible. Where they wrote the Bible. Et c'est après qu'on change de version. After that they change the version. Mais quand vous lisez plusieurs versions, when you read a lot of versions, la version anglaise est proche de Hébreu et Grec. The English version is close. To the Hebrew and Greek version. Nous devons faire l'effort de connaître l'anglais. That's why we have to make an effort to know English. Même en anglais, là, dans l'anglais, c'est bien explicité qu'en français. You know, in English, there are really more explanation than in French. Mais quand vous rentrez dans les mots propres, and we go in the old world, vous avez plusieurs explications. You have so many explanations. Je donne l'exemple, le mot salut. For example, the word salvation. Seulement nous pouvons dire c'est sauver une personne, c'est fini. You can just say mais en grec et en hébreu, and even in Greek, le mot salut signifie beaucoup de choses. The word salvation means a lot of things. Délivrance. Means deliverance. Guérison. Healing. Protection. Sécurité. Security. Et puis bénédiction. And blessing. Le mot c'est ma salut. Just the word salvation. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc, dans cette version grecque et hébreu, on dit, quand vous venez pour être vu devant ma face. And that verse says, when you come to be seen before my presence. Et deuxièmement, on dit, quand vous venez pour voir ma face. And secondly, when you come to see my face. Donc, se présenter ici, se paraître devant Dieu, signifie deux choses. So, meaning two things. Mes frères, quand nous venons le dimanche, quand nous venons à l'église, when you come on Sunday, when you come on the church, nous venons pour que Dieu puisse nous voir. So we come so God can see us. C'est pourquoi un homme avait beaucoup de problèmes. That's why a man has so many problems. Il s'appelait Simon. His name was Simon. Cet homme a souffert. C'est pas dans la Bible, c'est un homme comme ça, j'ai lu. In the Bible, that's not something that I'm telling. Tellement qu'il était dépassé des problèmes. He was overwhelmed.